Je porte parfaitement cette tenue. Je devrais être sur le podium. J'ai besoin de me pavaner. Hein? Wow, c'est Annie! Il est temps que je me fasse remarquer. C'est magnifique! Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Je ne veux pas être en retard. Attendez, Jake, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'on pourrait sortir plus tard. Tout le monde peut être élégant dans une robe. Combien? Sérieusement? Il semble que j'ai besoin d'une approche différente. Hé, je peux utiliser ce sac? Oui, il fera l'affaire. Mettons-nous au travail. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je me sens tellement glamour. Mais il reste encore une chose à faire. Oh, salut, Jake. Oh, je dois y aller, Annie. Luna, je suis ravie de te voir. J'adore ce nouveau look. Hein? Qu'est-ce qu'elle porte? On dirait un sac poubelle. Tricoter est si relaxant. Hey, maman, regarde ça. Il y a une fête à l'école. Laisse-moi voir ça. Je suppose que tu peux y aller. Je vais avoir besoin d'une nouvelle tenue. Je peux pas porter ça. Laisse-moi réfléchir. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Cette fête sera très amusante. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu seras très mignonne. Essaye ça. C'est une blague? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des trous dedans. T'es pas sérieuse? Y a pas moyen que je porte ça. Tu peux pas m'obliger. Je savais que tu dirais ça. Tu ne comprends pas la mode. Mais je vais jeter un autre coup d'œil. Il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses porter. Peut-être pas. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de carton. Il est un peu poussiéreux, mais il est encore bon. Nous pouvons en faire quelque chose de spécial. Oh, Annie, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce carton résoudra tous nos problèmes. T'es sûre de ça? Il a besoin d'être travaillé, mais je sais comment faire. Ne bouge pas. Maman, attends, arrête! C'est vraiment bizarre. Je suis un génie. Tu es magnifique. Waouh! Comment t'as fait? Elle est superbe. Permets-moi de faire encore une chose. On va se débarrasser de ces lunettes. Wow, tout est si flou. Mais je me sens fabuleuse. Je suis comme un mannequin. Oh, je crois que j'ai mangé des cheveux. Merci, maman. C'est la meilleure. Je pense que je le suis. Je dois immortaliser ce moment. Prends une pause. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, maman. Elle grandit si vite. J'adore cette chanson. Je peux pas m'arrêter de danser. Hey Brian, je peux t'offrir un verre? Oh ouais. C'est une grande fête. Je suis heureuse que Brian soit là. Je veux dire, regardez-le. Il est parfait. Je pourrais le regarder bouger toute la journée. Qui aurait cru qu'il avait du rythme? Il est si mignon. Oh non, ma jupe. Oh, les fichus. C'est un désastre. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai une idée. Je peux utiliser ma chemise. Oui, ça fera l'affaire. En y réfléchissant bien. Oh, je pensais que ça fonctionnerait. Je suis vraiment en train de transpirer. Oh, il commence à faire chaud ici. Attendez, c'est ça. Je vais devoir faire vite. Allez, où est-ce qu'elle est? Je l'ai. C'est ce que nous allons voir. Je vais fermer le bouton du haut. Ensuite, je les enroule autour de ma taille. Ce sera la taille parfaite. Maintenant, je vais les boutonner ensemble. Je dois cacher ma jupe. J'ai tout boutonné. Maintenant, je remonte les cols. Et je mets une ceinture. Ça les maintiendra en place. J'utilise les cols pour dissimuler la ceinture. Mais qu'est-ce que je vais faire des manches? Ah, je sais. Je vais les attacher à l'arrière. Waouh, ça a l'air tellement bien. Oh, Brian, j'ai ton soda. Juste ce qu'il me faut. Wow, j'aime bien ta tenue. C'est vrai? Waouh. Je l'ai conçu moi-même. Ouais, t'as l'air fraîche. Hein? Attends un peu. Ça me dit quelque chose. Où est passée ma chemise? Qu'est-ce qui se passe? Dansons. Bonne idée. Waouh, elle sort, regarde. Merci, merci. Incroyable, comme elle chante bien. Elle vient de me faire un clin d'œil, là. Levez les mains, tout le monde. On s'amuse tellement! On s'en souviendra pour toujours! Excusez-moi, je peux aller là derrière, s'il vous plaît? Hé! Hey, mon jean! Regarde ce que t'as fait! Oh zut! Et c'est ma paire préférée! À moins que... ma chaîne! Je m'en occupe!
On égalise bien les deux jambes et on utilise des ciseaux pour aller couper ici, sur toute la couture extérieure. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on prend cette attache et on la glisse ici. Une fois qu'elle est en place, tape dessus avec un marteau. Enlève le couvercle et nous voilà avec tous ces trous. Il faut passer la chaîne à travers. Et c'est fait! Tadam! Est-ce qu'elle aime les fleurs? Bizarre son pantalon. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et voilà! Oh mon Dieu, merci! Waouh, super ton short! Il attire l'œil, n'est-ce pas? Finalement, ce fut un heureux accident. Wouhou! Incroyable! Salut! Oh, waouh! Elle est magnifique! Et moi, j'ai l'air, eh ben, disons, moins magnifique. Dommage. Oh, elle a l'air toute triste ou nette. Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral. Je vais très certainement avoir besoin de ces ciseaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! Et parti! Ne bouge pas, je vais faire quelques arrangements. Il suffit de découper au niveau des coutures. Et voilà, je suis géniale. Maintenant, on retire les manches. Waouh, sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé. Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever. Après tout, mieux vaut être jolie qu'y voir clair. Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coupes. Et voilà! Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi les gobelets. Mais ce n'est pas tout, tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam, j'adore ça. Moi aussi. Tu sais quoi, on va l'ouvrir tout de suite. Oh, regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà, tiens, c'est pour toi. Génial, merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. C'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout. Oh non! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde! On va se servir de mes rubans. Je ne vois pas bien en quoi ça réglait le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton haut et retourne-le. Bien, maintenant on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles, comme ça. Ben, tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je les fais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris! Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Hey. Salut les filles! On est venus pour le pique-nique. Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse. Waouh! Ton top est vraiment sympa. Oh, merci! Allez-y, servez-vous! Il y a plein de choses à grignoter. Ah! J'ai tellement chaud! Deux! Je déteste les abdos. Moi aussi, mais il faut les faire. Oh, Jennifer, regarde, quelqu'un d'autre a chaud. Oh, waouh. Ouais, carrément chaud. Où va-t-il? Je dois le voir. Oh, il soulève des poids juste à côté de nous. C'est comme si c'était mon anniversaire et Noël en même temps. Je crois que tu devrais aller le voir. Regarde ses muscles. Il faut m'assurer d'être au top. Allez, c'est parti. Jennifer, attends. Regarde, tu es toute transpirante. Oh, tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ce n'est pas ta plus belle tenue. J'aurais aimé que mes vêtements de sport soient plus beaux. Jennifer, j'ai une idée de génie. Et si on... Oh, tu as raison, c'est une idée de génie. Allez, il est temps de retirer mon short. Fait. Prochaine étape. Un bras dans une jambe et maintenant je passe la tête. La tête est passée. Maintenant, au second bras. Et voilà. Ouf! Maintenant, je suis canon au lieu d'être transpirante et dégueu. Ouais, c'est vrai! Allez, vas-y, ma belle. Tu es superbe. Il ne verra que toi. Ok. Je me lance. Souhaite-moi bonne chance. Oh, elle y va! Je ne peux pas regarder ça. Je plaisante. Bien sûr que je vais regarder. C'est comme l'amour au premier haltère soulevé. Ça va faire super ici. Tout le monde aime la pastèque. Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique. On ferme les rideaux.
voilà, je crois que c'est prêt. Pas mal du tout. Sauf que j'allais presque oublier ma pastèque. Comme elle est belle. Je vais la porter dans le salon. Le monde est si cruel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, je sais. Oh, le magasin est fermé. Mais il me faut une pastèque. Je vais me débrouiller. Je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que j'en trouverai une ici. Je crois que c'était une mauvaise idée. Enfin, de délicieuses pastèques. Mais dans quel état est mon t-shirt? Ce n'est pas le plus important. Ah! Zut, je n'ai pas apporté de sac pour la transporter. Mais peut-être que je n'en ai pas besoin. Si j'agrandis les trous dans mon t-shirt, je pourrais m'en servir. Il est fichu de toute façon. C'est bon, ça devrait suffire. Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner. Et puis, je fais un nœud ici. Ça va être super pratique. C'est la taille parfaite pour cette pastèque. Et je peux la rapporter chez moi. C'est vraiment parfait. Allons-y. Me voilà enfin rentrée. Je vais mettre ma pastèque juste ici. Ce t-shirt m'a vraiment sauvé la vie. Hé, hey, c'est de la pastèque. J'en veux une tranche. Elle est super bonne. J'adore. Y a-t-il quelque chose de mieux qu'un gros hot dog avec du ketchup? Juste la saveur parfaite pour moi. Je le prends, merci. Ouais, voilà. Il faut en mettre énormément. Waouh, dégueulasse. Bon, où en étais-je? T'es prêt? Viens voir maman. Qu'est-ce que c'était? Mon t-shirt. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'était un accident. Laisse-moi essayer d'arranger ça. Non, ne pleure pas. Je ne sais pas. Ah, je vais arranger ça. Bon, d'accord, on va essayer. Tu vois comme l'encre du marqueur se dilue dans l'eau? C'est ici que le vaporisateur entre en jeu. Tu es prête? Ce t-shirt abîmé va se métamorphoser. Tords-le avec une fourchette comme ça. Ensuite, forme un petit tas avec tes mains. Maintenant, enveloppe-le avec des élastiques en caoutchouc. Et vaporise-le avec ton eau colorée. Utilise différentes couleurs pour rendre ça plus intéressant. Vaporise chaque partie avec une couleur différente. On dirait que c'est presque fini. Admire ton chef-d'œuvre terminé. Il a l'air encore plus beau qu'avant. On ne voit même plus la tache de ketchup. Je t'adore. Tu es la meilleure. Je ne sais pas quoi dessiner. Oh, ne bouge pas, Baggy. Tu vas être mon modèle. C'est parti. Génial. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? J'ai bien réussi les yeux, tu ne trouves pas? Coucou chérie! C'est pour moi? Oui, tiens, ouvre-le! Qu'est-ce que c'est? Génial! Des oreilles de chat! Trop cool! Une seconde! Et voilà! Maintenant on est pareil, toi et moi! C'est génial, non? Je t'aime, Baggy. Je reviens tout de suite. Pas de soucis. Oh, qui est-ce? Allô? Ouais, très bien. Regarde, maman, je suis un chat. Oh, tu es adorable. Oh non, mes oreilles de chat. Elles sont fichues. Je ne peux plus les mettre. Je suis trop triste. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ne t'en fais pas, Ashley.
Je crois que j'ai la solution. On va essayer quelque chose avec tes cheveux, d'accord? Commence par tresser une mèche de cheveux, puis fais la même chose de l'autre côté. Courbe-la légèrement et fixe le tout avec une pince. Et maintenant, l'autre côté. Oh, quel adorable petit chat! Fais-moi voir! Waouh, merci, maman! Regarde, Baggy, je suis un chat comme toi! Ouais, j'attends juste Mindy. Ah, la voilà! Je te laisse! Salut, ça va? On y va? Hein? Je peux pas me lever! C'est bizarre! Tu vas pas être contente, la peinture est fraîche! Non, j'avais pas vu l'écriteau! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux pas bouger! Je suis collée au banc! Ah! Ça arrive assez souvent! Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la peinture ou de la colle? Oups! Faisons comme si de rien n'était! Ça sert à rien! Je suis coincée! Attends, j'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez, tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée! M'en parle pas! Ça va derrière? Dis-moi la vérité! Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement. Mais attends, je crois que je peux t'arranger ça. Il me faut juste deux ou trois choses. Merci beaucoup. J'adorais ce jean. Allez, au travail. Fais-moi confiance. Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean. Je vais même utiliser des pochoirs. Tu vas avoir une classe d'enfer. Encore quelques petites lignes ici. Et ça, ça va faire super joli. Je devrais me lancer dans la mode. Voilà, pour ce côté. Et maintenant, le devant. Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau. Je devrais carrément me faire payer pour ça. Ok, encore quelques détails. Et voilà, terminé. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant! Tu es géniale! Tu aurais fait la même chose pour moi! Allez, on y va! Ah, où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part. Ouf, je croyais que je l'avais perdue. Oh oh! Je viens de faire une grosse erreur! Waouh, ce livre est vraiment super! Hé! C'était à mon tour! On dirait que Bella a vraiment besoin de livres. On dirait que ce sont les bons. Attention, ils sont assez lourds. Il faudra les rendre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sérieusement? Je savais qu'il m'arriverait un sale truc dans le genre. C'est une bibliothèque, vous vous souvenez? Chut! Je me sens mal. Hé! Tout va s'arranger. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Attends! Je sais exactement quoi faire. D'abord, défaire ses lacets. Puis, enlève ton pantalon. Tu plaisantes? Oh mon Dieu! Croise les chevilles. Puis sécurise avec le lacet. Serre bien. Puis plie les jambes vers l'arrière comme ça. Et fais passer les lacets dans les passants à ceinture. Fais bien le tour de la taille. Pense bien à retourner le jean. Et à faire la même chose à l'avant. Mets les livres à l'intérieur. Puis... lace en serrant bien fort. Tu vois? Tu as un nouveau sac à dos en jean. Il y a même des emmanchures. Hé! En fait, ça fonctionne.
C'est génial! Merci, petit rat de bibliothèque. À plus tard! Je devrais écrire une chanson sur ce thème. Oui, c'est officiel, c'est mon nouveau jingle. Waouh, cette fête est mieux que ce que je pensais. Oh, du punch, il a l'air bon. Oh mon Dieu, Jennifer, on porte la même tenue. Oh non, tu as raison, nous sommes habillés pareil. C'est pour ça que je voulais me concerter avec toi. Oh non, je n'avais pas prévu ça. Désolée. Tu plaisantes? Maintenant je suis trempée. Désolée. Pas du tout désolée, à plus tard. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas quoi faire. Attends, je crois que j'ai une solution. D'abord, j'aurai besoin de retirer mon t-shirt et de le mettre sur une surface plane. Maintenant, il faut couper avec des ciseaux. Je vais couper le col et les manches entièrement. En fait, ce qu'il me faut, c'est l'image sur l'avant du t-shirt. Tout le reste peut aller par là. Et il est temps de couper encore un peu. Un petit pli par-ci, une petite incision par-là. Je vais faire ça des deux côtés, du haut vers le bas. Maintenant, je vais ramener ça par ici et l'ouvrir pour la prochaine étape. Les angles supérieurs du milieu doivent être pliés. Il est temps de ramener les bandelettes découpées plus tôt. Je vais les étirer un peu et les mettre entre les deux morceaux de t-shirt. Maintenant, il est temps de tresser. Je vais d'un côté puis de l'autre, comme si je lassais mes chaussures. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Je vais commencer en haut et je vais aller jusqu'en bas. Et arrivé en bas, j'attache les deux bandelettes. Je le remets à l'endroit. Et voilà, j'ai fait un nouveau haut. Ajuste les cordelettes sur les côtés au besoin. Super mignon! Maintenant, je suis prête pour la fête. Waouh! Regardez Jennifer! C'est ça, je suis de retour. Va plus loin, Eva. Hé, Jennifer, tu es superbe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste là. Tu as fait ce haut toi-même? Je te crois pas. Oh, Jennifer et son maudit top! Tout s'est passé comme prévu. Aucune tâche ne me résiste. C'est comme si on ne nettoyait jamais. Comment c'est arrivé là? C'est tout simplement inacceptable. Tes jours sous cette table sont comptés. C'est un morceau de chewing-gum bien consistant. Et collant aussi. Je me demande à qui il appartient. Kevin a les cheveux blonds. Je ne sais pas. Et si c'était elle? Non, ses cheveux sont trop foncés. Ça n'aurait pas de sens. Et cette fille? Ça correspondrait parfaitement. Voyons voir ça d'un peu plus près. Je pense qu'on a une correspondance, les amis. Maintenant, que vais-je faire de ça? Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Oh, sérieusement? Tu vois cette boule de pâte à modeler? On dirait un peu du chewing-gum, non? Place un peu de colle forte dessus. Et colle-y un petit aimant. J'en ai fait tout un tas! Ça devrait lui servir de leçon. Ah, je n'ai pas envie de louper ça. Ah, c'est une dure journée aujourd'hui. Oh, ce sont des morceaux de chewing-gum mâchés. Qui ferait une chose pareille? C'est de la pâte à modeler? C'est Gabi. Oh, hé, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça te dit quelque chose? T'as juste rendu la monnaie de ta pièce, ou plutôt de ton chewing-gum. C'est le mien? Oups, je suis désolée. On fait la paix? D'accord, tout est pardonné. Commençons par nous partager ce chewing-gum. J'ai dit partager! Il fait tellement froid et humide. Oh non, je suis complètement décoiffée. Je vais arranger ça. Un petit coup de sèche-cheveux et ça ira beaucoup mieux. Ah, c'est déjà mieux. Et voilà, c'est parfait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, allez! Bon, ça commence à bien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et si j'essayais avec des bigoudis? Eh bien,
C'est ce que j'appelle des mèches rebelles. Oh, je crois qu'il va falloir que je m'y fasse. À moins que... Non, c'est une très mauvaise idée. Il devait y avoir une solution. De l'aloe vera, ça pourrait bien m'être utile. Je suis sûre que je vais m'en sortir. Je vais déposer un peu d'aloe vera sur une brosse de mascara propre. Un peu devrait suffire. Voilà, comme ça, ça ira. Ensuite, je passe la brosse dans mes cheveux. L'aloe vera, en plus d'être très hydratant, sert également de gel pour les cheveux. À présent, je vais dessiner des petites vagues avec mes cheveux. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Waouh, le résultat est génial! C'est trop stylé! Je vais noter cette astuce pour la prochaine fois. Ces fantômes ne savent pas ce qui les attend. Qu'est-ce qu'ils ont de si passionnant, ces jeux? Elle devrait plutôt faire le ménage. J'essaie de me concentrer, maman! Bon, d'accord. Oh, il y a vraiment plein de poussière là-dessus. Oh! Sophia! Tu as ces chaussettes depuis quand? On dirait qu'elle vit à la ferme. Oh, tes chaussettes! Celles-là? Elles sont horribles! Pour réparer un trou comme ça, il suffit de piquer comme ça. Continue en encerclant le trou. Continue de tourner encore jusqu'à ce que le trou se referme. Rentre le fil à l'intérieur de la chaussette à la fin. Hein? Ma chaussette? Plutôt stylée, j'avoue. Merci, maman. Tu ne me caches pas d'autres trous, hein? Très bon. N'oublie pas, Sophia, personne ne remplace une mère. Tu dois rester concentrée. C'est la dernière ligne droite. Voilà la dernière perle. Génial, un nouveau collier. J'ai trop hâte de l'essayer. Oula! Achoum! Ah, ça va mieux. Oh non, mon collier! Oh, je n'y crois pas. Ça m'a pris toute la journée. Mindy, est-ce que tout va bien? Mon collier s'est cassé. Ouf, c'est tout? Aïe! Attention, toutes les perles sont par terre. Merci de m'avoir prévenue. Je risque de le sentir passer demain. Désolée, maman. Est-ce que ce sont des perles dans mes cheveux? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée. Ne bouge pas. Je vais tresser une petite mèche de cheveux. Il faut que la tresse soit assez fine. Je vais mettre une pince pour l'empêcher de se défaire. Puis, je vais passer les perles par la pince. Il ne faut pas avoir la tremblote. Bien, maintenant, je vais faire pivoter la pince et glisser les perles sur la tresse. Je vais les faire glisser le long de la tresse, qui va les maintenir en place. Waouh, tu es magnifique! Merci, maman! J'adore quand c'est toi qui me coiffe! Oui, je crois bien que j'ai une commotion. Waouh, cet endroit est vraiment génial! Comment bien commencer le week-end! Tu penses à ce que je pense? N'en dis pas plus, je sais. Génial! Salut, mec! Deux mini cheesecakes. Je vais les prendre avec ma carte. Ça ne passe pas ici. Celle-ci, alors? C'est bon! Merci! Et voilà le dessert! J'ai pris ton parfum préféré. Grace? Hein? Oh, salut! Je peux savoir ce que tu fais? Oups! Désolée. Bon, puisque je suis là... Je n'arrive pas à croire que Jake m'ait laissé tomber! Oh, ça ne va pas se passer comme ça! C'est hors de question! Il faut que je me démarque! Voilà, comme ça! Encore un peu. Maintenant, laissons la magie opérer. Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Puis, je rentre les bords à l'intérieur. Et je fais glisser le t-shirt sur mes épaules. Je replie un peu les manches, si elles sont trop longues.
Alors, qu'est-ce que tu penses de ce top? Pas mal, hein? C'est carrément tendance, pas vrai? Jake! Tu es toujours occupée à ce que je vois. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Grace? C'est toi? Ta langue va bientôt toucher le sol. Hé! Et moi alors? Je déteste mes fringues. Je parie que je peux le faire aussi. Oh! Waouh! Ouais, ça fait toujours cet effet. Est-ce que je peux t'offrir un café? De la glace et de la bonne musique? C'est un samedi parfait. Oh! Oh, presque parfait. Je ne vais pas laisser ça gâcher ma bonne humeur. Oh, c'est trop bon. Miam! Y a quelqu'un? Surprise! Je suis à la porte. Oh, c'est génial. Oh, ce n'est pas possible. Il faut que je me change. Vite! Où sont mes affaires? Oh, attends! La machine à laver! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, mes vieilles affaires! Tu penses que je peux trouver quelque chose là-dedans? C'est un vieux reste de tissu. Ouh, j'espère qu'elle va bien. Et si elle s'était fait kidnapper? Ou si elle était tombée dans la douche? Ou si elle avait un nouveau copain? Betty! J'entre! J'ai une idée. Je peux l'enrouler autour de ma taille et la serrer avec un joli nœud. Mais je n'ai pas encore fini. Je prends aussi les extrémités et je fais un autre nœud. Je le fais passer à travers et ensuite, je retourne le tout. J'ai trouvé les manches. Et ça cache parfaitement la tâche. Trop joli, pas vrai? Ouais! J'ai laissé mon portable là-dedans. Ah! Betty, tu es toujours en vie? Je me fais si juste jolie pour toi. Hein? Viens, on s'en va. Pardon? Ces fleurs sont pour moi? Désolée de t'avoir fait attendre. Je ferai tout pour toi. Hé! Hey! Je ne vais plus jamais changer de coiffure. Je suis trop contente qu'on fasse enfin ce pique-nique. Viens, on prend une photo. Souris! Super, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hélicoptère! Ashley, regarde! Waouh, c'est génial! Oupa! On dirait qu'il va par là! Oh! Tes cheveux sont tout ébouriffés! Oh non! Quelle galère! Moi j'aime bien, ça fait rétro! Attends, ne bouge pas! J'ai une brosse! Oh, merci! Je sens que ça va prendre des plombes. Qu'est-ce que c'est long! Ah voilà! Mes cheveux sont enfin redevenus comme avant! Mindy, réveille-toi! Tiens, ta brosse! Waouh, tu es superbe! Tu veux boire un coup? Oh non! Il revient! Oula! Il faut que je protège mes cheveux! Du calme, j'ai une idée! Je vais séparer tes cheveux en deux mèches. Et toi, tu tournes sur toi-même. Encore un peu. Vas-y. Super, maintenant je vais faire un chignon. Que je vais maintenir avec un chouchou. Waouh, j'adore ce nouveau style. Ouf, maintenant on peut profiter tranquillement. Oh, oh, il repasse. Ce n'est pas vrai, ils le font exprès. Regarde, ma coiffure n'a pas bougé. Merci Mindy, tu es un génie. Ouais, je sais. Viens, on fait une autre photo. Sourire. Cette fête va être épique. Miss Bella, tu pourrais m'expliquer ce bazar? T'inquiète, je me demande ce que je vais porter. Est-ce que cette couleur me va? Un peu trop rose. Mais ça pourrait marcher. C'est vraiment le bazar ici. Tu as trop de vêtements. Je reviens. Ouais, c'est ça. As-tu vu la tenue d'Amy ce matin? Si elle ne nettoie pas, je le fais. Hé! Maman, arrête!
Je n'en peux plus. Oh oh! Je te rappelle. Que ça te serve de leçon! Oh non! Ma mère a tout gâché! Sauf si... Je me sers de ça. Si tu as une tache de javel, pourquoi ne pas mettre de la javel partout sur ta jambe? N'aie pas peur d'en mettre. Et maintenant, on attend. Regarde comme ce jean est unique maintenant. Je suis là! Regarde comme le délavage rend bien! Ma fille est tellement ingénieuse! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est drôle! Oh, j'ai reçu un message super mignon! Pas possible! Regarde, Chris veut sortir avec moi! Quoi? Jalouse? Mais attends! Regarde ça! Chris veut sortir avec moi aussi! Oh, comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah, les hommes! Il doit y avoir une erreur. T'as raison! Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Une seule de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok, et ça va être moi! Ouais, c'est ça. On va bien voir. Je vais lui en mettre plein les yeux. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça? J'allais justement mettre ce rouge à lèvres. Oh, dommage pour toi. Ne t'en fais pas pour moi. J'adore ces boucles d'oreilles. Je comptais pas les mettre de toute façon. Celles-ci sont beaucoup plus classes. Si ça te fait plaisir de le penser... Si ça te fait plaisir de le penser, j'ai plus qu'à prendre mon sac. Moi aussi. Celui-là. Tu plaisantes? Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon. Ce jean me va super bien. Il est à moi. Non, à moi. Mais lâche. Je l'ai vu avant toi. Arrête. Toi d'abord. Regarde ce que tu as fait. Tu peux le garder. Bonne chance. Mais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux pas mettre ça. À moins que... Je vais le déchirer un peu plus. Et puis je passe mes bras dans les jambes. Et ma tête dans l'ouverture. Voilà, comme ça. Maintenant, je l'ajuste un peu. Waouh, c'est vraiment la classe. Et je suis prête. Pas si vite. Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée. Salut. Laisse-moi passer. Chris? C'est qui avec lui? Hey, salut les filles. Oh, des jumeaux. Oublions tout ça. Après toi. Cette nouvelle école est super. C'est des tampons. Burke. Qu'est-ce qui est si drôle? Oh non, ce n'est pas possible. La journée commence mal. À moins que je reprenne le contrôle. Savais-tu que les tampons pouvaient servir à faire de superbes boucles dans tes cheveux? En plus, ils ont la taille parfaite. Alors enroulez et un peu de patience. Tu vois? Fabuleux! Waouh, c'était incroyable! Heureusement que j'en ai apporté beaucoup. Oh, essayons! Pour ton nez qui coule. Ferme les yeux. Ne regarde pas, d'accord? Waouh! Et ça? Oh, non, tu n'as pas fait ça. J'y crois pas. Tu ne vas jamais me croire. Au revoir. Pas de baiser. Même pas un merci. Waouh, cette voiture est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Allons l'essayer. Oui! Plus vite! Un selfie pour Instagram! Oh, les yeux sur la route! Joli! Hé, regarde ça! Bon, on va dire que ça va! Chouette! Super! Oh non! C'est intense là-haut! Attends! Mon pull au vert glisse! Non! Je l'ai perdu! Oh! J'ai rien sur moi! Attends, tu dois t'arrêter. Prends une grande respiration. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr, tu n'as qu'à utiliser mon bandana.
Oh, ok. Ça peut marcher. Tout est dans l'art de bien plier. Attache le triangle autour de ta taille et assure-toi que le nœud est bien serré. Puis, tu retournes le triangle comme ça et tu le glisses dans ton collier. C'est mignon, n'est-ce pas? Waouh! Trop joli! Maintenant, allons-y. Mais d'abord... Ah, ok, tu peux conduire. Maintenant, on peut y aller. Je me sens déjà beaucoup mieux. Rien de tel que de sentir le vent dans ses cheveux. Non! L'arbre! J'aurais dû garder les clés. Oups, c'était un accident. Désolée. Oh, zut! Salut! On a besoin d'aide. On a eu un accident. Quoi? Mais vous allez bien? Ouf! Oh, au moins, mon maquillage est resté en place. Ce rouge à lèvres est super! Hein? Les promotions sont aujourd'hui? J'arrive! Oui! C'est encore mieux que je ne l'imaginais! Et tout est en promo! Waouh! C'est le client le plus rapide que j'ai vu! À moi! Mais c'est pas juste! Il reste un article, mademoiselle. C'est plutôt mignon, je dois l'admettre. Bon, ok, j'essaye. Il faut que je vérifie la taille. Les motifs sont plutôt cool. Quoi? C'est deux fois trop grand! Je nage pratiquement dedans. Il me faut du renfort. Il y a des ceintures par ici. Cette barrette. Je l'emprunte juste une seconde. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je l'écarte un peu. Je plie le tissu. Et je mets la barrette pour tenir en place. Et maintenant, elle va parfaitement bien. Je pense que je la porterai bientôt. Il me faut juste de belles chaussures. Ne suis-je pas un génie de la mode? Merci pour ces belles promos! Gardez la monnaie! Hé, je ne portais pas une barrette! C'est super bizarre! J'ai tellement faim! Chut! J'essaye d'écouter! Oh! Ça a l'air délicieux! Mindy, tu es sûre que ça va? C'est quoi cette fascination pour l'horloge? Mindy, eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Laisse tomber. Bien, les enfants. Écoutez, c'est important. Oh, je sais! Je crois que j'ai à manger dans mon sac. Ça devrait m'aider à tenir jusqu'au repas. Waouh! Ces donuts ont l'air délicieux! Qu'est-ce que... des donuts avec un glaçage rose! Je rêve! Ça ne va pas se passer comme ça! Mindy, pas de nourriture en classe! Je pensais que vous n'aviez pas vu. C'était plutôt flagrant. Que je ne t'y reprenne pas! Oh, c'est bon, c'est juste un donut! Oh! Les chouchous de Sunny me donnent une idée! Je suis sûre que ça va marcher! C'est aussi joli qu'alléchant! On dirait que ça sent le donut! C'est bizarre! Ouf! Elle n'a rien remarqué! Ça mérite une récompense, non? Waouh! Ça, c'est bien joué! Je peux en avoir un? Bien sûr, Kia! Oh, merci beaucoup! Du glaçage! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Super secours, madame! Merci. On dirait que je suis aux premières loges! Kevin n'est-il pas l'homme rêvé? Bon, c'est le moment. Hé, salut, Kevin! Qu'est-ce que tu lis?
Kevin? Attends-moi! Ce livre est vraiment bien, non? Je le connais! On est jumeaux de livres! Ouais, je vais juste me mettre par ici. Il me déteste? J'espère que mes cheveux sont toujours parfaits. Peut-être qu'on a juste besoin de plus de points communs. Il est temps de passer au relooking. Tu vois ce marqueur? Utilise sa cartouche pour colorier le masque capillaire. Ensuite, mélange bien le tout. Et c'est prêt! Tu peux faire ça avec d'autres couleurs. Avec des gants, applique-le sur une mèche de cheveux. Et ensuite, enroule-le dans du papier aluminium. Fais ça avec autant de cheveux que tu veux. Et maintenant, on attend. Prête pour la grande révélation? Trop bien! Même pas besoin d'aller dans un salon de coiffure. C'est fabuleux! Ouais. Hé, tu as teint tes cheveux? Je crois qu'on a plus de points en commun que je ne le pensais. Parfois, il suffit d'une petite touche de couleur pour transformer un vêtement banal en un vêtement original. En plus, ça peut lui donner beaucoup plus de valeur. Et vous savez ce que ça veut dire? Plus de blé, bébé! Phew! Je suis prête! Je vais devenir riche! Bonjour! Venez jeter un coup d'œil à ma nouvelle collection! Oh, comme elles sont originales! Il me les faut! Mes amis vont être super jaloux! Waouh! En plus, elles sont pile à la bonne taille! C'est génial! Merci beaucoup! Moi! Je dois filer! Bon, voyons voir! Qui c'est qui va payer le loyer ce mois-ci? Salut à tous! Je sens que cette journée va être merveilleuse! Autant que ma tenue, je l'espère! Oh! Tout doux! Tout doux! Ah, qu'est-ce que... Oh non! Je tombe! Oh, ouch! Je suis vraiment désolée! Tu vas bien? Je ne t'avais pas vue! D'habitude, je m'en sors plutôt bien en patin! Nos chaussures vont super bien ensemble! Comment je pourrais me fâcher contre quelqu'un qui aime le rose autant que moi? Je te remercie! Oh, regarde! Des roulettes roses! Oh là là! Je les veux! Genre maintenant! Je fonce! Je peux te l'acheter? Génial! Merci! Elle est à moi maintenant! Mais je vais faire quelques modifications. Vous avez deviné? Je vais fixer les roues sous mes chaussures. Et voilà, j'ai des patins. Je vais les rendre un peu plus confortables. Qui n'aime pas la fourrure rose? Je vais aussi mettre des strass parce que j'en ai envie. Oh, c'est tellement beau! Mais bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Voilà, une petite avance rapide et c'est parfait. Et voilà, j'ai terminé. C'est mignon, vous ne trouvez pas? Il faut juste que j'évite de me casser la figure. Mais ça devrait aller. Attention, prête et roulez! C'est parti! C'est trop drôle, pas vrai? Les amis à roulettes, c'est pour la vie! Waouh, ce nouveau jean me va super bien! Oh! C'est Kevin! Il veut qu'on aille au parc! Cette tenue est tout simplement parfaite! J'espère qu'il l'aimera autant que moi. J'ai tellement hâte. Ça va être une journée de folie. En tout cas, elle commence bien. Oh, coucou, petite amie à plumes. Passe une excellente journée. Hé! Oups! Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Au revoir. Oh! J'y crois pas! C'est encore Kevin! J'ai pas envie qu'il me voie comme ça! Oh, une petite seconde! C'est quoi ça?
Un gamin m'a renversé du chocolat dessus. Pas terrible. Mais quelque chose me dit qu'on va pouvoir arranger ça. Ah bon? Comment? T'inquiète, je gère. D'abord, il me faut de la peinture marron. Maintenant, je vais l'étaler avec une éponge. Comme ça, ça fait un joli cercle. J'ajoute un peu de peinture sur une brosse à dents et je vais l'appliquer autour du cercle. Ce sera plus diffus. Il suffit de faire de petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Une fois que c'est fait, je vais prendre un marron plus clair pour créer un effet de contraste. Puis, je prends un coton-tige et je fais de petits points noirs ici et là. Vous avez deviné ce que je suis en train de faire? N'oubliez pas de faire sa petite bouche. Il sera 1000 fois plus mignon avec des lunettes. Waouh, c'est bien plus joli qu'une tache. Et pendant qu'on y est, je vais lui peindre un chapeau rouge. Bon, ça prend un peu de temps de tout colorier. Voilà, j'ai presque terminé. On n'oublie pas les angles. On peut aussi utiliser un rouge plus foncé pour faire le bord ou bien pour dessiner des motifs. On ajoute un petit message joyeux. Et voilà! Waouh! C'est incroyable! Et dire que tout ça part d'une simple tâche! Je dois y aller! Au revoir! Yeah! Au revoir, petit ourson! Hé! Hey, psst! Tu en veux un autre? Miam! Voilà pour toi! Beau travail! Miam, merci! Top là! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Du rose ou du jaune? Du jaune, c'est décidé. C'est quoi ce bruit? Oh non, maman est déjà rentrée. Il faut vite que je cache mes tenues de fête. Chut! Elle ne saura jamais que je suis partie. Tout a l'air en ordre par ici. Nikki s'est déjà endormie. Waouh, elle doit être très fatiguée. Fais de beaux rêves, mon ange. Je vais aller me coucher, moi aussi. J'en reviens pas que ça ait marché. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir d'ici. Oula, c'est haut. Faites que je ne tombe pas. Hein? Un peu de poussière n'a jamais tué personne. Waouh, cet endroit est génial. Mon pyjama, par contre. Heureusement, j'ai la solution. Vous ne pensiez quand même pas que j'irais en boîte comme ça. Je vais simplement retirer cette manche et la passer derrière, comme ça. Regardez comme c'est élégant. On ne dirait pas du tout que c'est un pyjama. Voilà, il n'y a plus qu'à... C'est parti, je vais danser toute la nuit. Pardon, les filles. Le DJ déchire grave. Wouhou, je vais faire quelques pas par là. Oups, désolée. Mickey, c'est toi? Il faut croire que les chiens ne font pas des chats. Une seconde, moi aussi je sais danser, regarde. Oh, ouais, je vois ça. Je risque pas d'oublier cette soirée. Ouh, cette journée d'école s'annonce bien. Oh, c'est pas grave. Je vais me changer. Voyons voir. Plutôt vert ou plutôt rouge aujourd'hui? Bof. Ouh. Ah, sûrement pas. Pourquoi est-ce que mes habits sont tous troués? J'ai vraiment rien à me mettre. Je me demande de quoi j'aurai l'air là-dedans. Trop drôle. Mais non. C'est tout ce qu'il reste? Waouh, j'adore cette couleur. Génial. C'est plutôt tendance, non? Est-ce que cette couleur me va bien? Je trouve ça pas mal. Ta-da! Waouh! C'est magnifique! Parfait! Allez, c'est parti! Tu es prête, Mandy? C'est l'heure d'y aller! C'est quoi tout ce bazar, hein? J'ai dû faire face à une urgence vestimentaire. On dirait qu'une tornade est passée ici. Quoi? T'aimes pas ma tenue? Attends. Et si tu essayais ça? Quoi? Tu veux que je porte ton t-shirt? Tiens, ça ne va pas m'aller. Essaye-le, tu verras. Ouais, la taille parfaite. Oups, désolée. Merci pour ton aide.
Ce truc est affreux. À moins que... j'arrive à en faire un joli haut. Il faut que je fasse quelque chose de cette manche. Et voilà, un t-shirt tout neuf. Voyons voir ce que ça donne. Waouh, ton t-shirt est super cool. Dis-nous, est-ce que tu l'as acheté? Waouh! C'est vrai qu'il est tout à fait unique, pas vrai, les amis? Oh, attends, je crois qu'on y est. Allez-y, amusez-vous bien, mesdemoiselles. Quoi? On peut entrer que si on porte une robe? Bon, dans ce cas, je vais y aller. Attends, tu vas pas me planter là? Très bien, je m'en vais. Salut, je suis venue seule ce soir. J'ai envie de faire la fête. Je peux entrer? Pas de robe, pas de fête. Et là? Je n'accepte pas les pots de vin. Quoi? Bon, bon, d'accord, tenez. Je crois que j'ai déjà dit non. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait un échange? Là, ça peut le faire. Continuez, je vous prie. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Donnez-moi ça. On va la customiser un peu, d'accord? Boutonnez la chemise à la taille et fermez-la jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, attrapez les manches et attachez-les dans le dos. Une jolie rosette fera l'affaire. Regardez ça, n'est-ce pas mignon? On dirait que c'est fait pour ça. Une toute dernière chose. Il faut que j'enlève mon pantalon. Ça ne va clairement pas ensemble. Mais je vais garder les chaussettes. Enfilez une jolie paire de talons et vous voilà avec une super tenue. C'est l'heure d'aller danser! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal pour une chemise aussi basique, hein? Impressionnant! Et c'est clair que je suis le gagnant dans tout ça! Wouhou! Waouh, cet endroit est incroyable! Et dire que j'ai failli ne pas entrer! Cette chemise est à tomber! Ça te va super bien! J'ai jamais rien vu de tel! Oh, merci! Que la fête commence! Santé, les filles! Wouh! Quel est ton meilleur conseil en matière de mode? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci! C'est l'heure de sortir la poubelle! Oh, quelle fatigue! J'ai besoin d'un jour de repos! Bah, ça sent mauvais! Oh non, voilà Chris! Il faut pas qu'il me voie comme ça! Je suis sapée comme une poubelle! Il me faut une solution, et vite! Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille. Allez, Chris, va-t'en! Oh non, il approche! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je plonge! Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite. Aïe! Maintenant, je ressemble vraiment à une poubelle. Mais bon, moi, j'ai toujours ma dignité. Non, c'est une mauvaise idée! Allez, réfléchis! Il doit bien y avoir une solution! Je peux peut-être utiliser des déchets! Au grand mot, les grands remèdes! Ça aurait pu être pire! Quoi? Mais c'est incroyable! Oh! Ça va, l'ami? Ouais! Va-t'en! Une seconde! Je te connais! Luna! Salut, Chris! Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard! Pas besoin d'être méchant! T'es vraiment une tocarde! Quelle méchanceté! Non, ça doit pas être si difficile! Ça commence à faire long! Ah, l'aubaine! Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe, on échange? C'est complètement folle! Je savais que ça ne marcherait pas! Ça y est, je crois que j'ai trouvé! Je vais tirer mes manches comme ça et passer mes bras par le col de mon pull. Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant et un joli nœud derrière mon cou. C'est super mignon! Ah, mes cheveux! Voilà qui est bien mieux! Mais
quoi, mais c'est incroyable. J'arrive tout de suite. Chris? Hé, reviens. Tiens, salut. Comment ça va? Salut, Luna. Quelle classe, dis donc. Oh, tu es trop gentille.